T-50 secondes. Mise sous tension autonome de l'orbiteur. Carla et elle, les portes sont ouvertes. Tout est opérationnel de notre côté. Pas trop stressé, ça va ? Est-elle à Carl ? Non, ça va. De toute façon, il est trop tard pour aller pisser. Bah, tu commences à avoir l'habitude. C'est ta 7ème fois quand même. Et moins 31 secondes. Mise en route de la fréquence automatique. Ouais, mais on n'a jamais tenté d'aller si loin. C'est pas faux. Piste évacuée. Tous les systèmes sont bien lancés. Bon allez, je te laisse tranquille. On se reparle dans quelques minutettes. Bon vol. Merci, à tout de suite. T-6 secondes, allumage des moteurs de la navette et du moteur principal. T-7 secondes, allumage des propulseurs et décollage. Carla est-elle ? Tout va bien ? Est-elle à Carla ? Oui, un peu secouée, mais tout va bien. J'active l'ouverture du vol avant et je lance le système. Alors, EC, EG et ED fonctionnels, idem pour tous les PEDC. Ok, comme prévu, il y a un petit délai, mais on reçoit bien ton signal. Tout est parfait, on me dit que tu peux lancer la triangulation. Triangulation lancée. Je te recontacte quand j'ai terminé. Alors, le but c'est de se rapprocher le plus possible de la Terre en partant de l'univers observable, qui est quand même une sphère de 90 milliards d'années-lumière. C'est pas mal. Bon, j'espère qu'ils ont simplifié le logiciel depuis la dernière fois, que ça me prenne pas une demi-heure. Alors, nous on est dans le complexe Superama Poisson-Baleine. Ça, c'est du nom, franchement. Bon, déjà on a vachement réduit la recherche, puisque ce complexe ne fait qu'un milliard d'années-lumière de long et 150 millions d'années-lumière de large. C'est vachement réduit. Ensuite, c'est Superama Vierge Hydre Centaure. Bon, là-dedans, on est dans le Superama de la Vierge. Ah oui, quand même! Ah, 10 000 galaxies dans la totalité des amas! Je pensais moins, quand même. De toute façon, nous c'est pas dur, on est dans le groupe local. Voilà, qui contient plus de 50 galaxies, je crois. Ah, pas loin, ouais. Autant pour moi, c'est 60 galaxies. C'est plus de 60 galaxies. Et notre galaxie, c'est la Voie Lactée. Non, pas L, V. Voilà. Alors. Ouais, en effet, ils ont bien simplifié quand même, dis donc. Notre fameuse galaxie. Ah, voilà, galaxie en spirale barrée. Notre étoile se trouve dans quel bras déjà ? Le bras d'Orion, oui c'est ça, le bras d'Orion, voilà. Alors, choix de l'étoile S comme soleil. Parfait, je me suis pas planté, c'est déjà ça. Système solaire donc, avec 8 planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et nous, nous sommes proches de la Terre, voilà. Je lance la recherche et il n'y a plus qu'à attendre. C'est pas mal foutu quand même leur truc. Hein. C'est pas mal foutu. Ok, parfait. Il est à la carte, triangulation effectuée. Super, tout fonctionne parfaitement. Bon, chaque fois que tu enregistres quelque chose, n'oublie pas de décrire tout ce que tu vois. Comme ça, même si on n'arrive pas à recevoir la vidéo, on aura au moins le son. Oui, comme je viens de faire, quoi. Ok, tu peux lancer le géant en direction de la base lunaire. Profites-en pour faire une petite pièce, on se contacte une fois que tu es là-bas. A plus tard. Guidage auto activé. A plus tard, Carl.